Salam alaikum. Salam Charles, tu peux nous dire un petit peu, je viens de voir que tu as joué. Ouais. Déjà, il y a qui dans ton équipe? Alors, dans mon équipe, il y a moi, il y a Reza. Non, il n'y a pas de Reza. Il y a Arzou Besram. D'accord. Il y a. Mince. Il y a un truc, il y a Kassim Denji. D'accord. Et deux autres joueurs, je ne me rappelle pas dans l'immédiat. Il y a Conan Sioudi. Ok. Et vous avez gagné, perdu? Non, on a perdu le premier match. Là, on va attendre que les deux vainqueurs y jouent. D'accord. On va jouer contre les perdants des deux vainqueurs de la poule. Et vous avez perdu contre qui? On a perdu contre Shoel Nassor, l'équipe qui est en train de jouer, Shoel Nassor, Mahmoud Yirjidina, Alvin Merali, Irfan Kassamali. D'accord. Et voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, j'espère que la deuxième, vous allez la gagner. Hein. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Hal. Alors, nous avons Hasnain, l'organisateur d'un côté de ce tournoi. Hasnain, j'ai vu que tu as joué. Est-ce que tu peux nous dire la composition de ton équipe, s'il te plaît? Très bien. Alors, mon équipe, elle est composée de Zamira Sakali, Alan Noura, Yannick Djeta, ça va me revenir, Shan Ali. D'accord. Et John Nassor, et moi-même. D'accord, donc, de la Courneuve. Voilà, exactement, John Nassor de la Courneuve. Et là, donc, on vient de faire notre premier match de poule, qu'on a gagné difficilement, parce que l'équipe en face était vraiment pas mal. On a gagné 1-0. D'accord. Il y a eu vraiment pas mal d'occasions dans les deux équipes. D'accord. Je pense qu'on l'a gagné parce que tactiquement, on était un peu meilleur. On a su garder le ballon quand il fallait. Eux, c'est ce qu'ils ont un peu moins fait. Ils balançaient un peu trop. Du coup, on en a profité. On a gagné sur un petit contre. D'accord. Donc, ça fait une victoire et on verra pour la suite. Ok, en tout cas, on a eu de très belles prises, en tout cas. Et je voulais savoir, du coup, là, il y a une belle harmonie entre les gens de Bagneux et la Courneuve. Ouais. Donc, c'est vraiment impressionnant. Comment vous vous êtes pris, du coup, pour organiser toutes ces équipes? Bah, écoute, c'est un travail de longue haleine, puisque ça... C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot. D'accord. À force de relancer les joueurs, des personnes qui se désistent, d'autres qui relancent, etc. Mais à chaque fois, on a essayé de trouver un équilibre entre Bagneux et la Courneuve. Il fallait vraiment qu'il y ait une parité, même si à Bagneux, il y a quand même plus de joueurs de foot qu'à la Courneuve. Mais voilà, on a quand même essayé de trouver une petite parité. Il y a pas mal de gens de la Courneuve qui sont là aujourd'hui, donc voilà, c'est une très bonne chose. Et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on est tous réunis pour la bonne cause. Et voilà, et avec Cassine qui représente l'association, voilà, tout est réuni pour qu'on passe une bonne journée. Ok. Et le prochain match, du coup, c'est contre qui? Le prochain match, mon équipe est en train de jouer. Moi, je suis en pause parce que je suis complètement KO. Je ne dors plus à cause de ce tournoi. D'accord. Donc, il faut que je me repose un peu. Mais là, ils sont en train de jouer. D'accord. Mon équipe est en train de jouer contre l'équipe de Ramej. D'accord. Et okay. Là, je pense qu'il y a 0-0. Je ne vais pas tarder à rentrer. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup. Okay. Merci à toi. Vas-y.
Purée, il est bon, Justin. Hein. Attention, dernier. Thank you.
êtes à deux. Thank you.
date. Tu peux te présenter? Je m'appelle Nour Asram et là actuellement en fait on a fini les matchs de qualification, les poules, et là en fait on va passer à table, on va manger des pizzas, là il y a une table là-bas, je crois qu'elles sont à la Margarita, et après on va faire nos mazes. D'accord. Et après on fonce pour le match. Ok, et ton parcours de ce matin du coup, on qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné deux matchs si je m'en souviens bien. D'accord. On a fait un 3-2. D'accord. Et un 3-0. Et là, normalement, on va gagner le prochain match. Vous êtes premier du classement, du coup, pas encore? Ça dépend du troisième match. Là, en tout cas, on est qualifié, en fait. On n'est pas dans les consolantes, ce qui est une bonne chose. D'accord. Et bon, et le reste, les gars, c'est à voir, en fait. On vient ici. Voilà. Ton équipe, c'est bon? Ouais, allez, j'ai une très bonne équipe. Ouais. Très bonne équipe. Je suis le plus nul de mon équipe, mais eux, ils sont très, parfait, très forts. Ouais. Bon, bah écoute, bonne continuation pour la suite. Merci. Et puis, si on se retrouve sur les qualifications pour les quarts ou demi, ce serait une autre interview. D'accord, ok. Merci.